Praise the Lord! Praise the Lord! Something good is going to happen to you today. Something great is going to happen to you today. Expect a great miracle today. God is going to perform many miracles today. Today, I'm going to share the message of church growth. I will share the secret of the church growth. Church growth is the will of God. Church growth is the ministry of God. La croissance de l'Église dans le ministère de Dieu. Trust in the Lord. Mettre notre confiance en Dieu. Today's scripture reading is Acts 2, 42 and 47. Nous allons lire le passage de Actes 2, du verset 42 au verset 47. They devoted themselves to the apostles' teaching and to the fellowship, the breaking of bread and to prayer. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. 47, praising God and enjoying the favor of all the people, and the Lord added to their number daily those who were being saved. Verset 47, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. We must know that the church is the center of salvation. Nous devons savoir que l'Église est le fruit de salut. The church is the center of revival. L'Église est le produit du réveil. The church is the center of spiritual blessing. L'Église est au centre de la célébration de l'Éternel. Therefore, we must have the church's center of faith. Nous devons avoir une foi centrée sur la croissance de l'Église. Until the second coming of Jesus Christ, jusqu'à ce que Jésus revienne, God is going to use the church as an ark of salvation. Dieu va continuer à sauver les gens et à ajouter à l'Église. The church is most important instrument of God's will for today. Dieu, dans la volonté de Dieu, l'Église est la chose la plus importante aujourd'hui. So we must pray for the revival in the church. Nous devons donc prier pour le réveil dans l'Église. We must pray for the church growth. Nous devons donc prier pour la croissance de l'Église. Many people came to me and asked, beaucoup de gens sont venus pour me demander de l'aide. What is the secret of the church growth? Dieu est le secret de la croissance de l'Église. 60 years ago, il y a environ 60 ans, Dr. Joe started with 5 members. J'ai commencé l'Église avec seulement 4 membres. At the small tent church in slum area. C'était dans une petite église, dans une petite région. He started only with 5 members. Le pasteur Cho a commencé avec seulement 5 personnes. Few years later, et quelques années plus tard, one became his wife. L'un de ses membres est devenu son épouse. One became his mother-in-law. L'autre est devenu sa belle-mère. Two became his brother-in-laws. Et deux parmi les membres sont devenus ses beaux-frères. Dr. Joe started with just one family. Donc il a commencé seulement avec sa famille. 50 years later, 50 ans après, he retired. Il a pris sa retraite. At the time, the membership reached to 780,000. Et l'Église est montée à 700 000 membres. Praise the Lord. Gloire à Dieu. Praise the Lord. Gloire à Dieu. From 5, it reached to 780,000 within 50 years. Au bout de 5 ans, il est passé de 5 membres à plus de 700 000 membres. It is the ministry of God. Il a fait le ministère de Dieu. So we have to pray very hard before the Lord. Nous devons donc prier ardemment le Seigneur. We must be humble before the Lord. Nous devons nous humilier devant le Seigneur. Our God is the Almighty God. Notre Dieu est le Dieu Tout-Puissant. Every time we pray, God will answer our prayer. Toutes les fois que nous prions, Dieu nous exauce. But we must be humble. Mais nous devons être humbles. The famous theologian and pastor Saint Augustine. Les pasteurs ou d'autres théologiens
disent d'autres choses. Wrote many theological books and ministered our church. Ils ont écrit beaucoup de livres et ils ont créé beaucoup d'églises. One day, one disciple came to him. Et un jour, quelqu'un est venu à l'un d'entre eux. What is the greatest teaching of Jesus Christ? Et il a demandé, mais quel est le plus grand enseignement de Jésus? Augustine said, et il a répondu, that is humility. Le plus grand enseignement, c'est l'humilité. What is the second greatest teaching of Jesus Christ? Il a posé une seconde question. Quel est le deuxième plus grand enseignement? That is humility. Il a encore répondu, c'est l'humilité. And he asked again, what is the third great teaching of Jesus Christ? Et il a encore demandé, quel est le troisième grand enseignement de Jésus-Christ? That is humility. Il a encore répondu, c'est l'humilité. God is going to use men of humility. Dieu veut utiliser ceux qui sont humbles. Be humble before the Lord. Humilions-nous devant le Seigneur. God is going to use you for the kingdom of God. Dieu va t'utiliser pour son royaume. Be humble before the Lord. Humilie-toi devant le Seigneur. God make you a great spiritual leader for the world. Dieu va te faire grand pour le monde. God is going to use you to evangelize all Côte d'Ivoire. Dieu va évangéliser toute la Côte d'Ivoire à travers toi. Great revival is coming. Il y a un grand réveil qui arrive sur ce pays. Revival is coming soon in Côte d'Ivoire. Il y a un grand réveil qui arrive bientôt sur la Côte d'Ivoire. All churches in Côte d'Ivoire will have great revival. Toute l'église dans son ensemble va vivre un grand réveil. To have a great revival, God is going to use a separate denomination. Dieu va utiliser beaucoup de dénominations. God is going to use all of you to evangelize Côte d'Ivoire and all Africa. Dieu va vous utiliser autant que vous êtes pour évangéliser toute la Côte d'Ivoire. Hallelujah! Amen. Praise the Lord! Gloire à Dieu! Today I want to share some secret of church growth of Yoido Full Gospel Church. Ce matin, je voudrais partager avec vous quelques secrets pour parvenir à la croissance de l'église. 60 years ago, 1958, we started with only 5 members. Il y a environ 50 ans, nous avons commencé avec seulement 5 membres. As I mentioned, 50 years later, it became 780,000. 50 ans après, le nombre est passé à plus de 780,000 membres. 10 years ago, I inaugurated as a second senior pastor. Et 10 ans après, je suis devenu le deuxième pasteur principal de l'église. 2 years later, il y a 3 ans, we separate 20 branch churches as individual churches with 330,000 members. Nous avons créé des annexes avec plus de 300 000 membres. So our membership decreased to 450,000. Donc nous sommes descendus de nombre initial de 780 000 à 450 000 environ membres. However, God cependant, bless us. Dieu continue de nous bénir. Day by day, jour après jour. Every year, more than 10,000 new members add to church membership. Chaque année, plus de 100 000 nouveaux membres s'ajoutent à l'église. Last 10 years, we have more than 100,000 new members to the church. Et au bout d'un an, nous avons augmenté au niveau du nombre de l'église de plus de 120 000 membres. Our membership reached to 550,000 and include 20 French churches, total 880,000 members. Et nous sommes passés maintenant à plus de 800 000 membres au niveau de l'église. Praise the Lord. Gloire à Dieu. Praise the Lord. Gloire à Dieu. It is the work of God. C'est l'œuvre de Dieu. Acts 2:47 says, Acte 2 verset 47 dit, The Lord added to their number daily those who are being saved. Dieu ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. The Lord, le Seigneur, the Almighty God, le Dieu Tout-Puissant, add to their number daily those who are being saved. Ajoutait chaque jour à leur nombre ceux qui étaient sauvés.
So we have to trust in him. Nous devons mettre en lui notre confiance. We must give all the glory to him. Nous devons lui donner toute la gloire. Hallelujah. Gloire à Dieu. Number one. Numéro un. Successful ministry depends on the powerful message. Tout ministère qui réussit dépend du message qui est prêché, de la puissance du message qui est prêché. The successful ministry of the church leaders depends on their powerful servants. Le succès de leur ministère dépend de la puissance de leur message. However, we remember that. Cependant, il ne faut pas oublier ceci. The core of the message must be the cross of Jesus Christ. Le message qu'ils prêchent doit être centré sur la croix de Jésus-Christ. The Bible, la Bible, talks about Jesus Christ. La Bible parle de Jésus-Christ. Old Testament and New Testament all talks about our Savior Jesus Christ. Que ce soit l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, tous les deux parlent de notre Sauveur Jésus-Christ. So we must preach the gospel of Jesus Christ. Nous devons donc prêcher l'évangile de Jésus-Christ. We must preach the cross of Jesus Christ. Nous devons prêcher la croix de Jésus-Christ. Galatians 6:14 says. Galates 6 verset 26 dit. May I never boast except the cross of our Lord Jesus Christ, through which the world has been crucified to me and I to the world. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. We have all the blessings through the cross of Jesus Christ. Toutes les bénédictions que nous recevons de Dieu, c'est par la croix de Jésus-Christ. The cross of Jesus Christ is the center and core of the Bible. La croix de Jésus-Christ est le cœur de la Bible. Jesus Christ died on the cross for our sin. Jésus est mort à la croix pour nos péchés. Jesus Christ removed all our sin and curse and disease on the cross. Jésus est mort à la croix pour ôter toutes nos maladies, toutes nos malédictions. If we believe in the power of the cross of Jesus Christ, we'll be healed from all sickness and disease. Si nous invoquons la puissance de Jésus-Christ, nous serons guéris de toutes nos maladies. If we believe in the power of the cross of Jesus Christ, we'll be blessed. Si nous invoquons la puissance de Jésus-Christ, nous serons bénis. Believe in the power of the cross of Jesus Christ. Il faut croire dans la puissance de la croix de Jésus-Christ. Pastor's message must be simple. Le message des pasteurs doit être un message simple. Easy to understand. Et que nous devons comprendre. Also powerful. Nous devons comprendre la puissance. So pastor must be filled with the Holy Spirit. Les pasteurs doivent être remplis du Saint-Esprit. Pastor's sermon must focus on the cross of Jesus Christ. Le message qu'il prêche doit être centré sur la croix de Jésus-Christ. The Bible, the word of God, la Bible, la parole de Dieu, is the authority of the church. Est l'autorité de la Bible, de l'église. We must obey the word of God day by day. Nous devons nous soumettre à la parole de Dieu jour après jour. We must meditate on the word of God day by day. Nous devons la méditer chaque jour. If we are meditating on the Bible day and night, we'll be blessed. Si nous méditons la Bible jour et nuit, nous serons bénis. We must meditate on Bible, entire Bible, once a year. Nous devons au moins une fois par an lire toute la Bible. Every day we must read and meditate on the word of God. Chaque jour, nous devons lire et méditer la parole de Dieu. We cannot live without breath. Personne ne peut vivre sans respirer. At the same time, we cannot live without spiritual breath. Nous ne pouvons De la même manière, nous ne pouvons pas vivre sans le souffle spirituel. Many people know the importance of breath for life.
Beaucoup de gens connaissent l'importance de la respiration pour la vie. But many Christians, mais beaucoup de chrétiens, do not meditate the Bible day and night. Ne méditent pas la parole de Dieu jour et nuit. From now on, we must meditate on the Bible day and night. Pour ma part, je pense que nous devons méditer la Bible jour et nuit. We must read whole Bible once a year. Nous devons arriver à lire toute la Bible au moins une fois par an. This year, our church celebrates 60th anniversary. Cette année, notre église a célébré son soixantenaire. So we challenge to all the congregation to read the whole Bible once a year. Et nous avons encouragé toute l'assemblée à lire toute la Bible une fois par an au moins. All the church members are meeting the Bible day and night and read the whole Bible every day. Toute l'assemblée lit la Bible jour et nuit. Et chaque jour, il médite la parole de Dieu. One of my church members already read the whole Bible 35 times. L'un de mes fidèles a lu la Bible au moins 45 fois. So we must meditate on the Bible day and night. Nous devons donc méditer la parole de Dieu chaque jour et chaque nuit. The Bible is our spiritual breath. La Bible est notre respiration spirituelle. So we have to meditate the word of God day and night and read and read and read the word of God. Nous devons donc méditer la parole de Dieu jour et nuit et lire la parole de Dieu. Follow the instruction of the Bible. Nous devons suivre les instructions de la parole de Dieu. Practice the teaching of the Bible. Nous devons prêcher la parole de Dieu. You will be blessed. Et nous serons bénis. Your church will have a great revival. Votre église vivra un grand réveil. You can find all the spiritual phrases from the Bible. Vous pourrez voir toutes les louanges dans la Bible. Read and memorize all important verses in Bible. Il faut lire tous les versets importants dans la Bible. Word of God will lead your life for the glory of God. Et nous lirons et nous verrons la gloire de Dieu. If you live by the word of God, you will be blessed. Si nous lisons la parole de Dieu, nous serons bénis. You will have a successful life. Vous réussirez dans votre vie. So you must meditate on the Bible day and night. Vous devez méditer la Bible jour et nuit. Then you will be blessed. Alors vous serez bénis. You will be blessed. Vous serez bénis. You will be blessed. Vous serez bénis. Praise the Lord. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia.